tikana prophétiser na vie que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est qui bat la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe à partir de la commission intouchable, la commission invisible, Nayoko Kotsayo na ligne ya batu ba isapa makambo ya tenye wana. I surrender all to you. Thank you, Jesus. Everything I give to you. Withholding nothing. Yes, withholding nothing, Lord Jesus. Withholding nothing. I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing. Hallelujah. Withholding nothing. I surrender. I surrender all to you. Everything. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Na pesi, yo so na yo so ya ngai na yo na bo belokote na mamoko na bombe lokote na besi yo so na yo na kamia yo so na bombe lokote yo so na yo so ya ngai yo so ya ngai na yo na bombe lokote na bombe lokote Salana ngai. kabina yon, mi kabina yon. That's my desire. Oh, all I want is you. Hallelujah. All I want is you. All I want is you. I surrender everything, God. All I want. Yes, all I hallelujah. Je ne veux que toi, je ne veux que toi, Yondenalingi. Nul est comme toi, nul est comme toi, tu es Alpha, tu es Omega, Yondenalingi. Nami kabina yo, Yondenalingi, 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 Yondenalingi. La solution yavina kai yondenalingi mama oyo na maboko na yo lobelanga yondenalingi 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 yondenalingi. You. All I want is you, God. That's all I need. All I want is you. Everywhere, every moment is you what I need. All I want is you, Jesus. All I want is you. From the depths of nothing more, nothing less. All I want is you. All I want is you. Yes. Tu es tout pour moi. Tu es ma souffle, tu es ma vie. Tu es ma force, tu es tout, tu es ma joie. Esengo ya mokili ezande yo. C'est toi la joie du monde. Bomo ya mokili ezande yo. C'est toi la vie du monde. Ozayon sopo na biso. Tu es tout pour nous. Ozamakasi na biso na tango ya bolembo. Tu es notre force dans la faiblesse. Makasi ya Israël. Tout ce que nous cherchons, c'est toi cette vie. C'est toi. C'est toi. Papa, Père, nous demandons encore dans ce culte aujourd'hui, remplis nos maisons avec ta présence. Enveloppe chacun de nous avec ta présence. Sans toi, on ne peut rien faire. Nicodème a dit, en te regardant ces jours-là, il voit des miracles, des signes et des prodiges. Et il a eu une conclusion. Personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. C'est pour dire qu'on a besoin de ta présence. Viens. Visite-nous encore dans cette culte. Visite chacun de nous dans nos maisons, là où nous sommes, et toute la gloire revient à toi seul. Merci pour tout, Papa. Nous sommes reconnaissants. Merci pour la confirmation de ta parole jour et nuit. Merci pour des témoignages de guérison, de délivrance qui se passent dans la maison. Merci surtout pour la transformation. Nous sommes reconnaissants. Merci 1 million de fois. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Glory to God. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et ma prière est que cet moment de confinement soit un confinement de spiritualisation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Dans notre culte dernier, on a parlé toujours à propos de notre héritage, de notre racine qui est Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais achever vraiment. Je me rappelle, on a lu Jean chapitre 15, qui est notre texte principal ce jour-là, dernier culte. Jean chapitre 15, texte principal verset 1 jusqu'à verset 7. Ici, Jésus dit que nous sommes les serments, les étapes. D'autres versions disent les branches. Et lui, il est le cep, notre racine. Parce qu'il n'y a pas de cep sans les racines. Les racines et cep sont ensemble. Et il a dit, demeurez en moi, et moi en vous. C'est ainsi que vous portez beaucoup de fruits. Jésus est notre racine. Il est le cep. Nous sommes les étapes, les branches. On est attaché à lui. Dans cet attachement, dans cette connexion, c'est ainsi qu'on peut porter, manifester beaucoup de fruits selon lui. J'aimerais qu'on lise encore Jean 15, verset 1 jusqu'à 7. Jean chapitre 15 du premier verset jusqu'au 7e version d'Arbi et Lingala. Moi, je suis le vrai cep et mon père est le cultivateur. Ngai nazali nzete ya vino ya solo solo. Petata na ngai azali mosali bilanga. Verset 2. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'ôte, et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie afin qu'il porte plus de fruits. Étape nyonso oyo ezali na ngai oyo ebotaka mbuma te alongolaka yango pe nyonso oyo ebotaka mbuma apetolaka yango po ebota mbuma mingi lisusu. Vous voyez ici verset 2, ça nous montre que Dieu voulait qu'on porte des fruits. Awa na eteni ya mibale ezotelisa biso ete Nzambe alingi ete biso tobota bambuma mingi. C'est pour dire qu'il n'est pas content, il n'est pas d'accord avec un branche, étape, qui ne porte pas de fruits. Pas de fruits. On parle de bons fruits, pas de mauvais fruits. Parce que Jésus a dit, c'est le diable qui vient voler, détruire, égorger. Moi, je suis venu pour vous donner la vie en abondance. So, Jésus donne les bons fruits si on est attaché à lui, et le diable les mauvaises. Alléluia. Amen. Mais notre racine est Jésus. Selon sa parole ici, nous les étapes, nous les serments, nous les branches, on doit porter des fruits, sinon tu seras jeté, ôté, coupé. Et Seigneur, tobo tabambuma, sokite bakolongola yo to akokata penza yo. Et pour que cela arrive, il faut l'attachement, il faut la connexion. C'est ce qu'on parle depuis la dernière culte. Et pour être likambo yango ekoma, et Seigneur na yo oumela ya kokangama na ye. Hallelujah. Amen. Continuez verset 3. Verset 3. Vous êtes déjà net, oui, à cause de la parole que je vous ai dite. Vous voyez l'impact de la parole. Amen. L'impact de la parole. Voilà pourquoi on a dit le dernier mot. Nous, en tant que les enfants de Dieu, on doit nager toujours dans la parole, communier toujours dans la parole. Et on doit consulter la parole de Dieu. Parce qu'il a dit, l'homme ne vivra pas seulement par les pains des foufous, des chikwang, mais l'homme, esprit, vivra par toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie, et Jésus est esprit et vie. Et lokola bana na nzambe esengena biso to bindaka tango nyoso na kati loba na nzambe to maniola yango po ete maloba wana ndeza bilei ya molimo pe Yesu azali molimo pe liloba na ye eza molimo. Il a dit alobi Dieu est esprit, Jean 4:24. Nzambe aza molimo na Jean 4:24. Et dans Jean 14 verset 6, lui-même a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est que sa parole est lui aussi. Voilà pourquoi la parole est très importante. Ok, continuez verset 4. Verset 3 lingala. Voilà. Bino bosili kopetolama pona liloba oyo na lobaki na bino. Pona liloba. 4. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même à moins qu'il ne demeure dans le cep. Voilà. De même, vous non plus, vous ne pouvez pas, à voilà. moins que vous ne demeuriez en moi. Lingala. Botikala na bomoko elongo na ngai, pengai na bomoko elongo na bino. Lokola etape ekoki kobota mbuma yango moko te, kozanga kokangama na nzete ya vinyo, bino pe ndenge moko. Bokoki kobota mbuma te, soki botikali na bomoko elongo na ngai te. Alléluia. Amen. Regardons ici. C'est clair. Jésus est notre racine. On a vu cela dernièrement. Selon Romains 11, verset 16. Si notre racine est sainte, nous le sommes aussi. S'il est la sagesse de Dieu, nous le sommes aussi. S'il est la justice de Dieu, nous le sommes aussi. Tout ce qu'il est, nous le sommes aussi. Quelque part, ça nous montre un mystère de unité. Maintenant, il parle ici. Si vous demeurez à moi, et moi en vous, comme le serment ne peut pas porter de fruits de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep. De même, vous non plus, vous ne pouvez pas, à moins que vous ne demeurez à moi. Bien-aimé, le fruit, la racine a besoin de les étapes. Racine sans étape est inutile. Pour que racine se manifeste, il a besoin des étapes. Parce que tout ce que les racines portent, c'est les étapes qui va faire manifester. Voilà pourquoi étape doit être connectée, branchée à son racine. Ici, sans cette connexion, l'étape va rester vide. Sans fruit. Et nous sommes les étapes. Nous devons être connectés à notre racine, afin que on porte beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Regarde. Verset 5. Jésus a dit, moi je suis le cep, vous le serment. Celui qui demeure à moi et moi en lui, celui apporte beaucoup de fruits. Séparé de moi, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est clair que les états ne peuvent rien faire sans la racine. Maintenant, je disais la fois passée dans notre culte, ce qui est très important, c'est l'attachement et la connexion. Et je me rappelle, on a parlé de la parole de Dieu en tant qu'un secret majeur pour maintenir l'attachement à racine, pour maintenir la connexion à notre racine. Voici verset 6 et 7. On va voir ça. Verset 6. Oui. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Voilà. Et il sèche. Et on les amasse et on le met au feu et il brûle. Écoute-moi. Dieu dans son plan, quand il a créé l'homme, il a toujours sept plans. Que l'homme soit féconde et multiplié. Dès la Genèse, première Genèse, il a dit à l'homme, multipliez-vous, soyez féconde. So, Dieu voulait que ses enfants portent des fruits. Ici, si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors. Comme le serment. Et il sèche. Et on le ramasse. Et on le met au feu. Pour nous dire que Dieu ne veut pas. Il ne voulait pas. Il n'aime pas que ses enfants soient sans fruits. Et pour porter ou bien manifester beaucoup de fruits selon son plan, on doit être branché, connecté, attaché à lui. Et un source majeur, un instrument majeur pour l'attachement à Dieu, à notre racine, c'est quoi? La parole. Deuxième point, c'est là où je vais prendre mon temps un peu aujourd'hui. La fois passée, on a parlé de la parole. C'est la vie de prière. Si vous voyez ces jours ici, ces trois points en train de revenir encore et encore. Parce que c'est ce qu'on a besoin. Surtout à ce moment ici, le confinement. Marc chapitre 1 verset 35. Marc chapitre 1 verset 35. Marc chapitre 1er verset 35. Version d'Arbi, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Et s'étant levé sur le matin, longtemps avant le jour, il sortit et s'en alla dans un lieu désert. Et il priait là. 36. Il priait là. Bien-aimé, à part de la parole, un autre instrument pour maintenir la connexion, l'attachement, c'est la vie des prières. Et Jésus est notre exemple. La parole de Dieu dit, ils sortent très tôt le matin. Pour aller faire quoi? Pour prier. Quand il était ici sur terre, il est venu pour nous montrer comment vivre, comment faire des choses. Verset 35, Marc 1 dit, et s'étant levé sur le matin, longtemps avant le jour, c'est-à-dire, vers 4 heures. Il sortit et s'en alla dans un lieu désert. Et il priait là. Bien-aimé. La vie de prière consistant en 16, c'est un de notre instrument pour maintenir la connexion avec notre racine. Un vrai enfant de Dieu doit commencer sa journée dans la prière et terminer dans la prière. Commence par la prière et termine par la prière. Alléluia. Lingala ya lelo verset 35. Na tongo tongo liboso te moi ebima. Voilà. Yesu alongwe na Kafarnaum pe akei kovanda ye moko na esika ya kimia na esobe. Kuna abandiko sambela. Kuna abandiko sambela. C'est-à-dire, à longue na distraction. Ce n'est pas dit que Dieu va t'écouter seulement quand tu es dans le désert. Ou bien quand tu es dans le montagne Mangengenge. Non, Dieu est omniprésent. Dieu est partout. Mais ce qu'il dit ici, il est sorti pour éviter des distractions inutiles. Voilà. Dans la solitude, il n'y a personne qui va lui dire à Pierre ou bien Jacques ou bien Barthélemy, Seigneur, les gens te cherchent. Non, non. Il est parti quelque part pour être seul et concentré dans la prière. Vous voyez que, vous savez, dans la journée, on est distrait. Il y a beaucoup de choses qui demandent, qui attirent notre attention. Les enfants, les amis, les téléphones, manger, ainsi de suite. Mais à ce temps-là, les gens dorment encore. Ils sortent pour prier. Ce n'est pas que c'est seulement à ce moment-là que Dieu écoute notre prière. Tu peux prier à n'importe quel moment, mais ce qui est là, il faut éviter des distractions. Alléluia. Amen. Notre exemple, notre racine nous a montré qu'on devait prier. Dernièrement, on a enseigné sur ça, Luc 18, 1, il dit l'homme doit prier constamment sans se relâcher. Luc 18, verset 1. Alléluia. Amen. Une autre version. Version français courant. Merci. Marc chapitre 1, verset 35. Oui. Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit noire, Jésus s'éleva et sortit de la maison. Il s'en alla hors de la ville, dans un endroit isolé. Là, il s'est mis à prier. Voilà. C'est pour dire, il invite des distractions. Il voulait concentrer. De même, à ce moment de confinement, c'est bien d'avoir la concentration. Parce que tu es là, chez toi, profitez au maximum. Prends le temps de prière. Alléluia. Amen. Parce que dans la prière, nous sommes en communion avec lui. La prière nous connecte tout le temps avec lui. Voilà pourquoi la prière est très importante. Voilà. Une autre version. Ok. So, Luc chapitre 6. Lisons Luc chapitre 6. Un chrétien qui est faible dans la prière, c'est un chrétien sans puissance. Un chrétien qui prie, c'est un chrétien fort. Bien-aimé, les forces de ténèbres n'aiment pas la vie de prière. Et il fait tout pour rendre le chrétien distrait, paresseux dans la vie de prière. Surtout dans notre génération de toutes prêtes à porter. Beaucoup les voyaient comme Dieu n'est plus nécessaire. Quand même, j'ai pu acheter une voiture en payant seulement $200, 500, $150 chaque mois. Où est le problème? Je n'ai pas besoin de prier que Dieu. Non, non. Bien aimé. Tout ça, ce sont des stratégies de l'ennemi pour te faire affaiblir spirituellement. Dès que il n'y a plus de vie de prière, mon frère, ma soeur, il faut la délivrance. Tu dois prier. Parce que tu es déjà morte. Dans la prière, on reçoit la vie. La prière, c'est un instrument qui nous vivifie. Luke 6, 12. Luc chapitre 6, verset 12, version oui. Darby. Oui. Or, il arriva en ce jour-là yeah. qu'il s'en alla sur une montagne pour prier. Mm. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Tu vois une autre version. Yes. Ici, il passa la nuit, toute la nuit, Amen. À prier Dieu. C'est pour cela qu'il est fort. C'est pour cela qu'il peut résister le diable. Quand celui-là est venu nous tenter. Parce qu'il vient de la prière. On doit prier sans cesse. Vous savez pourquoi? Monde des ténèbres agit dans la nuit. Et nous, on devait profiter de résister toutes leurs projections, activités, même dans la nuit. Je ne dis pas que c'est mauvais de prier dans la journée. Dieu écoute dans la journée. Mais c'est mieux aussi de prier dans la nuit, parce que à ce moment-là, tout le monde dort. Il n'y a pas l'enfant qui va te déranger. Il n'y a pas un téléphone qui appelle. On te cherche. Viens. Hein, viens ici. Hein. Non, non, non. Tout est tranquille. Et dans ces moments-là, c'est le temps que le monde des ténèbres agit. Même Jésus a dit, quand les gens dorment, l'ennemi vient semer les mauvaises semences et s'en alla. C'est dans Marc, Matthieu 13, verset 25. Vous voyez? Voilà pourquoi un chrétien, mon Christo, doit maintenir style de vie de prière chaque fois dans la nuit. Parce que il y a des transactions spirituelles qui se passent dans la nuit. Surtout dans le monde des ténèbres. Bien aimé, je suis ici pour t'encourager de se lever à ce moment ici de confinement, de spiritualiser ta vie de prière. Parce que après le confinement, le monde des ténèbres, on se lève. C'est la guerre entre ténèbres et la lumière. C'est la guerre entre le royaume de ténèbres et le royaume de lumière. Imaginez. Dieu a dit dans sa parole, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais il y a quelqu'un qui dit, quelques têtes qui dit, la population sur la terre est trop et on doit réduire la population sur la terre. Je voulais seulement ouvrir tes yeux pour savoir, pour connaître que tout ce qui se passe, c'est un combat entre monde de ténèbres et lumière. Dieu dit, celui qui a créé la terre dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Il sait qu'il y a l'espace pour nous. Mais les enfants de Dieu doivent être éveillés. Alors réveille-toi, toi qui dors. Notre Dieu dit, c'est bon que l'homme quittera son père, sa mère et attachera sa femme. Mais eux disent, l'homme à l'homme, femme à femme. Éveille-toi, bien-aimé. Zambalobi. Dieu a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Réduisez-vous. Diminuez sur la terre. Ils sont en train de combattre Dieu. L'homme et sa femme. Aujourd'hui, maintenant, c'est l'homme, femme. Mobali na mwasi na ye kasi lelo komi mobali abali mobali mwasi abali mwasi. Et voilà pourquoi tu dois maintenir un style de prière consistant afin que tu tiens debout malgré tout les pressions au nom de Jésus. Et yangwana esengeli na yo omesana ko sambela na molende na tina ete yutika la kotele mangui atako makambo kozala ndenge ni. Lire ta Bible, Ephésiens 5 à 10, Ephésiens 6 12. Nous ne combattrons pas contre la chair et les sang, mais contre les principautés, le pouvoir. Mais une autre version nous a bien translé ça. Tanga Biblia na malam na mukanda ba Ephésiens elobi na biso tozo bundisa nde batote. Kasi bakondi ba gouvernement ya monde ya ténèbres ya batu ya molili. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent réveiller et prier, maintenir une style de vie de prière consistamment afin d'échapper le vent, les tempêtes de ces fins de temps. Lis pour moi Ephésiens 6 verset 12. Darby d'abord, après cette version parole de vie ou parole vivante. Ephésiens chapitre 6 verset 12, version Darby. Version Darby, Ephésiens 6 verset 12. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Voilà. Version parole vivante, Ephésiens 6 verset 12. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Voilà. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre. Voilà. Ni contre de simples ennemis mortels. Mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Ok, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Contrôle et régir. Notre combat à nous, ce n'est pas contre la chair et le sang. Mais cette parole vivante a tout dit. Est-ce que tu peux répéter ça encore? Oui, papa. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas lutté uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes. Contre les puissances occultes, c'est pour cela on doit maintenir une style de prière consistant, surtout dans la nuit. Contre une organisation spirituelle satanique. Voilà. Contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres... Il y a beaucoup d'organisations sataniques, toi-même tu sais, tu le sais. Yes. Voilà. C'est ça la révélation de Ephésiens 6, verset 12. Yes. On a révélation à 4 Ephésiens 6, 12. Tout ce qui se passe ici, il sait. C'est bien préparé pendant des années. C'est quelque chose préparé. Ce sont des forces de ténèbres qui voulaient diriger et contrôler notre monde. Il est un temps pour voyager. Il faut des conditions, telles conditions. Sinon tu ne vas plus voyager. On appelle tout cela, c'est quoi? Contrôle. On est dans le système. Déjà. Mais beaucoup d'or. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on doit maintenir un style de prière, parce que eux travaillent plus dans la nuit et on doit déstabiliser par notre prière. Et Sengerito Sambela mingi mingi na butu poete bango basala kamosala nde na butu et Sengerito tungi sabango nde na nzela ya losamba. Alléluia, libre-moi. Ephésiens chapitre 6 verset 12. Oui. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas lutté uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, oui, contre une organisation spirituelle satanique, oui, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légende des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Véritable agent quartier général du mal. Bien aimé. Voilà ici dans Luc 6:12, il a dit. Or, il arriva en ces jours-là qu'il s'en alla sur une montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier à Dieu. Toute la nuit. Un chrétien qui prie, c'est un chrétien fort. Un chrétien qui prie, c'est un traître au diable. Voilà pourquoi ces gens-là n'aiment pas la prière. Voilà pourquoi nous sommes là. Bien-aimé, réveille. Réveille-toi, toi qui dors. Les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. Mais tu vois, c'est à ce moment-là que beaucoup de chrétiens, leur vie de prière devenue faible, vie spirituelle faible. Mais c'est fini. Alléluia. Amen. Pareil, quand on voulait crucifier Jésus, il est là, prie, mais les disciples étaient en train de dormir. Il leur demandait, ah, vous pouvez rester encore, prier avec moi. Il dort toujours. Reçois la grâce de maintenir la vie de prière consistante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Luc 6 verset 12. Oui. Ngala. Natango wana Yesu akei na ngomba moko pona kosambela Nzambe. Atikalaki kuna kosambela butu mobimba. Butu mobimba ndeko toute la nuit, butu mobimba toute la nuit. Asambelaki butu mobimba. Parce que eux aussi opèrent la nuit. Matthieu 13, 25 dit, quand les gens dorment, l'ennemi vient semer les mauvaises semences et s'en alla. Dans Matthieu 13, 25, beaucoup de leurs vies sont manipulées déjà dans la nuit. Tout ce qui se passe dans la journée est déjà programmé dans la nuit. Voilà, tu dois déstabiliser tout par la vie de prière. Vie de prière, c'est un des instruments que Dieu nous a donné pour maintenir notre connexion à notre Dieu. La vie de prière, c'est le carburant d'un chrétien. Je m'en fous si ta voiture est même 10 millions, 30 millions de dollars. Mais s'il n'a pas de carburant, ça ne va pas bouger. Carburant de l'esprit, c'est la prière. Carburant ya molimo ezalinde lo sambo. Je lance un appel à tout le monde qui me regarde. Réveillez-vous et prions-nous ensemble dans ce confinement. Parce que leur projet, c'est de contrôler et régir notre monde. Dieu dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre. Et il dit le contraire. Dieu dit l'homme doit quitter son père, sa mère, attachera à sa femme et les deux deviennent un. Et il dit non, l'homme, l'homme, femme, femme. On doit se réveiller. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. J'aime Luc 6. Il passa toute la nuit prier à Dieu. Toute la nuit prier à Dieu. Dans la prière, comme Jésus nous a montré dans cette prière de l'enseignement de prière, il dit que ton nom soit. Voilà, ça dit la prière a 5 types. Ça dit d'abord prière de louange, après prière de supplication ou pétition, des demandes. Alléluia. Après, nous avons l'intercession. Et à la fin encore, action de grâce. C'est simple. Tu commences ta prière comme ça chaque jour. N'importe quoi tu voulais dire, c'est à toi, mais tu commences d'abord par la louange. Après, demande, supplication, intercession. Et à la fin, action de grâce. Un point entré. Mais dans tout cela, tu peux rester même toute la nuit quand on vient de rire. Il est un moment de louer Dieu, de célébrer son nom. Alléluia. Amen. Voilà, continue. Matthieu chapitre 14. Oui. Verset 23. Matthieu 14, verset 23. Oui. Version Darby. Et quand tu eus renvoyé les foules, il monta sur une montagne à l'écart pour prier. Allez. Et le soir étant venu, il était là seul. Et quand il eut renvoyé les foules, il monta sur une montagne à l'écart pour prier. Et le soir étant venu, il était là seul. Tu vois, je te montre quelque chose. On a commencé d'abord. Il est sorti dans Marc 1, n'oublie pas, il est sorti très tôt le matin. Ça c'est un autre temps. On dit vers 4h du matin, 5h, n'est-ce pas? Maintenant, dans Luc 6, 12, il est allé prier toute la nuit. Ça c'est toute la nuit, hein? C'est différent avec l'autre. Maintenant ici, c'est dans la journée. Ah oui, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Et quand il renvoyait la foule, tout le temps, tu sors dans la journée, tu vois des choses qui n'est pas bon, tu dis des choses parfois tu ne sais même pas, des mauvaises choses, tu penses des choses mauvaises. Sache que l'énergie spirituelle que tu as est en train de diminuer dès que tu es en contact avec le monde. Et dès que tu rentres, si tu es sage, il faut se ressusciter, il faut se recesser, recharger. C'est très important. C'est comme ton téléphone. Bien chargé le matin. Tout sort. Allô, allô. Regarde, c'est texto, ça. Toujours, tout ça. Mais avant que tu reviennes, la charge a baissé et diminué. Et qu'est-ce que tu dois faire? Recharger. De même spirituellement, un vrai chrétien se recharge dans la prière. Amen. Et quand il vit revoyer le foule, il monta sur un montagne à l'écart pour prier. Et le soir étant venu, il était là seul. Il est allé prier pour se recharger. Alléluia. Amen. Oui, lis pour moi s'il vous plaît. Version Lingala Yalelo. Oui. Bongo amati ye moko na ngomba pona ko sambela. Ti na pokwa azalaki kaka ye moko. Comment on dit? Pour dire que il était là. Pour les autres ils abiso que azalaki wana journée mobimba. Ti na pokwa. Soto moni ke asambeli na tongo tongo, asambeli butu butu, awa na moi. Son gongayon so basambe laka, mais le komoko très important. Na yon so misatu, na tel sayo. Marc 1:35, Luc 6:12 et Matthieu 14:23. Yon so, il était quoi à l'écart. Yami longola kina ebele abato. Na Marc 5, très tôt le matin. Na Luc 6:12, butu mobimba. Maintenant, awa na Matthieu 14:23, journée mobimba. Mais il était à l'écart. Yamba baptême yasika, ya vie de prière sans cesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tout le temps, on sort. Il y a une diminution de ton énergie spirituelle. Il faut rentrer et se recharger. Et Sengeli, Kozonga, P, Komi recharger. Alléluia. Lis pour moi. Excusez papa, Tozotanga. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Alléluia. Amen. Vous voyez cela? Même Ephésiens, mais verset 10. C'est en communion avec lui, vous trouverez votre énergie. Voilà. En communion avec Jésus, vous trouverez votre énergie. Et la communion qu'on parle, ça se fond par la parole, la prière et louange et adoration. Toutes ces trois choses, c'est des instruments pour communier, pour entrer en communion avec Dieu. C'est en communion avec lui que vous trouverez votre énergie, énergie spirituelle. Lis ça encore, s'il te plaît. Ephésiens 6, 10. Ephésiens chapitre 6, verset 10. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même. So, ce qui va te faire devenir un chrétien fort, c'est la vie de communion. Yes. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Bien-aimé, voilà pourquoi Jésus dit demeurez à moi, moi en vous. Et c'est ainsi que vous portez beaucoup de fruits. Comment vous allez demeurer en lui? Habitez-moi en moi et que ma parole demeure en vous. Alléluia. Amen. Communion, ça se fait par la parole, la prière et louange et adoration. Mon temps est déjà passé. J'aimerais qu'il lire ça deux ou trois fois même, parce que c'est bien, la foi vient parce qu'on entend et on entend. Ephésiens 6, verset 10, version parole vivante. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, oui, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Alléluia. Amen. Va jusqu'à verset 11 et 13, 11 et 12. Verset 11. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses des guerres du diable. 12. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, oui, ni contre de simples ennemis mortels, oui, mais contre les puissances occultes, voilà, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui dans les ténèbres veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Alléluia. Amen. Je prie aujourd'hui que le Saint-Esprit te donne la force qu'il faut pour maintenir la vie de prière consistamment. En conclusion, Jésus a dit dans sa parole dans Romains que l'Esprit de Dieu vient pour nous aider à prier comme il faut, parce que nous ne savons pas comment prier. So, la vie de prière est très nécessaire, est très important. Et à partir d'aujourd'hui, ma prière est que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous pour maintenir la vie de prière consistamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bannis et je maudis toute faiblesse spirituelle. Amen. Au nom de Jésus, je maudis toute distraction qui te distrait, qui te s'éloigne de la vie de prière. Au nom puissant de Jésus, toutes les choses qui te rendent faible spirituellement et maudit au nom de Jésus. Reçois la force. Reçois la force. Au nom de Jésus. Notre combat à nous, ce n'est pas contre la chair et les sangs, mais contre les forces du monde des ténèbres, les puissances occultes, les organisations sataniques, les quartiers généraux du mal qui voulaient contrôler et diriger notre monde. Reçois la grâce de traverser ce moment. Au nom puissant de Jésus, je vous bénisse de tout mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Et je demande à tous ceux qui sont maladies, imposez tes mains sur mes mains à l'écran. Et quand vous faisiez cela, je demande que la puissance de Dieu coule à travers de cet écran. Je donne un miracle créatif. Je donne des guérisons. Je donne des interventions divines. Visitations divines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela. Reçois. Reçois. Vous êtes guéris, délivrés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Et bien aimé, n'oublie pas, nous sommes là, live, chaque mercredi à 10h, vendredi à 17h, dimanche à 7h. Et après, il y a des rédivisions. Et aussi, si vous avez les témoignages, pourquoi pas partager avec nous en faisant des vidéos WhatsApp et tu nous envoies, et ça sera bien pour célébrer le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour ses bienfaits dans votre vie. Que mon Dieu vous bénisse. Restez branchés, restez connectés à Samach TV, Molière TV, et aussi à notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Le temps de témoignage. Bonjour papa, bonjour Banazambi Ngai, comment on a sœur Élisée. Avant d'y binza ozone nazotatela monene ya nzambe oyo asali ngai na bana na ngai naza na mwana na moko ya mwasi komona ye biju mwana wana bana botama azalaka libumu munene yebi na bota azalaka libumu munene me kokola na ye libumu ekomaki lisusu munene makasi abelaka mingimingi oyo 6e fois bazongisa ye makila badokter batondaka kaka pourkui libumu na ye eza munene bonazongisa bango nayebi te. Il a 2 ans. Donc, quand à l'hôpital, il a en février. Il a eu un examen, parce qu'on a on a souvent fièvre bandi les bangs à mon cousin la casse à l'bumbac balobi que ça rate ce que le qu'on a que vimbi la casse à l'bumon à moi la maquille s'il y a vimbi puis le bumon comme ta sous ma casse tout côté qui a tout côté bumaki rate ou année diminua qui n'ango mais bah pesa inga la salle qui examen bataille ce cas à SS bah on va contracter causon à tout son qui n'andak n'ayez qu'aucun à peine prière à peu près banda qui en ligne na na ikolanda pasteur la zolanda et ils allaient qu'un certain vendredi sur la bonne santé pas ça là qui service à Sainte tant qu'on ça là qui yango la Melissa qui peut bana na mona qui résultat après à simalain comme ça là oui papa le baki tout ça ba oui la kosambela yango to appliquer yango ndingi akolakisa biso ngana zaki na huile d'olive te na zoeka huile na lambelaka na tiaki na sima TV lokwa TV na sera na mur na tiaki on na sima TV papa asambelaki sili tant wa silisi na zui mwana na bandi kopakola yango na ebisi na libo moni kaka ndenge na pakoli yo mafuta o lelo eza mokolo na ya suka pe libumo ekokita na pakola ki bango nyonso na pakoli pe mwana ona a 2 ans na melise na komelisa papa na ebisi bino bandeko na ngai esalaki 2 heures du temps moi na sali toilette moko konzimate ibumuné la kamunene pe makasi okamwa sazima to fini ngo ekota raté moi na wana sima wana sali toilette ikomi azo suba mingi to lali lobi nango libumu ya mwana ekiti nebi tendeni bozo mona wana na tindi ba photo wana libumu mwana ekiti azala kamunene libumu komi siko ya normal que moi no aza munene mesure libumu kokanda mesure nzoto na yi zambe ya dayo akamwisinga ngai na sambela kana na esika wana te na pa pasteur dayo te na sambela kuna te nanu pe na mona yeboite na lota ye kaka ya cela 3 ans passés na lota ye maintenant nous tokutana te na zwa pe occasion ko benga ete mais na zui miracle à travers ya mosali na ye na télévision ezata yebisa kinga pesa kinga mafuta te mafuta na nga moko ya kolambela na te na TV na appliquer yango na kondima mwana libumo kiti siko na ebisi bino nazomona mwana oyo nazo kumisa nzambe libumo kiti akomi na taille na ye normal yango nalobaki te na kovanda kinya te. Deuxième témoignage na nga ezali papa asalaki service moko ya manteau alobaki na biso te biloko nyonso tokotia nzambe asalaka asalaka miracle na biloko nyonso ngai nazalaki na eloko akotia te lokola nakendaki mpe mama na biso kotala ye nazalaki kaka na tablette na maboko nalandi émission nazwi tablette na ngai natie na tele papa asambeli esili alobi ndenge boza na eloko wana eza lisusu telefone te eza manto te ekomi na nguya ya nzambe nandimaki nango navandi na nga mpenza na nai kokipe susu mpenza te me jour moko likambo oyeninga kaka makambo mobali ya mosala la se rappelé dans le bin mosali alobaki ko eloko nyonso tokozala nango difficulté nyonso tokokutana nango tobelela nzambe à travers manto tokomona bikamwa en tout cas nazwaki telefone na ngai o tablette nakotaki na chambre na butu na sambeli nayebisi bino ngai nanu nayoka te nzambe azolobela motu na matoi nanu nayoka te na bandi priere kobanda kaka na bandi priere na bandi koyemba mpo nayembaka na bandi ka koyemba na yebisi bino nakomi koyoka bamanifestation moko nanu nayoka te talaka bandako kofutela tozalaka kokangama na yebisi bino naderangeaki bato nyonso na bana na mobali balamuki puissance oyo nga nayokaki nanu nayoka te etela yesu maboko makasi. Tikana prophétiser na vie na ye. Bista banida bazo kufa kokufa te. Eloko bomi tata na yo ekoboma yo te. Eloko bomi mama ekoboma yo te. Ya ye. Les jours de chaque chrétien, on doit savoir que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. Qui bat la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe à partir de la commission intouchable, la commission invisible. Nayoko kosayo na ligne ya batu ba isapa makambo ya tenyewa.